Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, sentimental. Sentimental, on va aller voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Allez, je prends ce magnifique oracle. On va aller voir la personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu et vous à droite. On va voir tout ce que je peux partager aujourd'hui. Merci pour toute votre participation, présence sur la chaîne, peu importe quelle soit. Merci, 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 merci. C'est du général, on va les zoomer sur le sentimental. On va voir tout ce que je peux partager. Donc, je débute par un message carte. Un message carte. Et ensuite, message carte et après mon écrit. On va voir, on va voir, on va voir. Le message du jour. Alors. Allez, c'est parti. Alors, la personne de votre cœur. Elle peut avoir un commerce. Vous êtes deux personnes casanières, hein? Vous aimez passer du temps. Vous reposez, c'est très le repos, la relaxation, la détente chez soi, autant l'un que l'autre, c'est très important pour vous. Vous sentir bien aussi chez soi, voilà. La personne de votre cœur donc peut avoir un commerce, c'est possible. Peut-être que vous aimez être casanier, autant l'un que l'autre, mais surtout l'hiver. C'est une saison où vous aimez, voilà, un doux repos, vous sentir bien, vous sentir dans de la douceur. Ouais, vous sentir dans de la douceur, dans du coton, tout l'hiver. Et la personne de votre cœur, pour moi, c'est ce qu'elle veut avec vous. Et vous, c'est ce que vous voulez en effet miroir, il y a un effet miroir. Aujourd'hui sur la situation. La personne de votre cœur a un commerce. Alors, elle a peut-être un commerce, ou elle n'a pas de commerce, elle va avoir un commerce. Sur le lien, il y a eu, vous vous êtes disputé. Vous Il y a quel... Alors, vous, c'est la... Il y a de... Alors, attendez, parce que je sais pas encore. Il y a quelque chose cet hiver. Vous adorez l'hiver. Peut-être que c'est votre saison préférée. L'hiver. Vous adorez l'hiver. Vous aimez peut-être la neige, les paysages neigeux. Les manteaux. Manteaux neigeux. Alors, la personne de votre cœur. Donc, soit elle a déjà un commerce, soit elle n'a pas encore de commerce, mais elle va en avoir un. En tout cas, si elle en a un, ça va être la fête. Si elle n'en a pas encore un, ça va être la fête. Il peut y avoir quelque chose qui se réalise. On veut peut-être avoir un commerce. On veut peut-être un commerce avec vous. Ouvrir un commerce avec vous. Alors, ça peut être une boulangerie, ça peut être une pâtisserie. Enfin, après, ça peut être tout type, hein. Vous êtes peut-être des gourmands. C'est possible.
Ça saute, ça saute, ça saute. Alors attendez. Donc là, il peut y avoir vous. Peut-être vous avez connu un gel financier professionnel qui s'est répercuté aussi sur votre bancaire. C'est possible, tout s'est gelé. J'ai eu un gros gel, peut-être plus durant plusieurs hivers. Sur la situation, vous allez avoir un gain financier qui va arriver un ou plusieurs pour faire évoluer chaque jour un petit peu la situation, mais pour arriver aussi sur un dégel total et définitif de la situation. Pour que vous soyez vraiment épanoui, financier, pro, bancaire, dans tout en fait, hein. Il y a un gain financier qui arrive durant cet hiver. Début d'hiver. Sur le lien, vous vous êtes disputé. Ça n'a pas été une grande, grande dispute pour moi, hein. Vous vous êtes disputé. Ça n'a pas été très long, hein. Ça a été très vite la dispute. Ça a été très vite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous êtes peut-être appelé et pendant 30 minutes vous vous êtes disputé et puis après ça s'est stoppé. Vous voyez, on s'est pas disputé pendant des siècles. Voilà. Ça a été, on s'est frictionné, hein, sur le lien. On s'est frictionné. On s'est frictionné, mais on est doux. Alors, la personne de votre cœur va faire la fête, soit dans son commerce actuel, ou alors dans son commerce futur. Et si c'est un commerce futur ou actuel, il y aura peut-être une envie, peut-être, de travailler avec vous. C'est possible. En tout cas, la personne, elle va faire la fête et elle va avoir beaucoup de soutien lié à un rêve de commerce, d'avoir ou de réavoir un commerce. On va avoir beaucoup de soutien, on va faire la fête. Bon, ça, c'est déjà, c'est magnifique. Il va y avoir du soutien aussi lié à un appartement. La personne de votre cœur va faire la fête, va avoir une bonne nouvelle liée à un appartement. Ah, ça peut être un commerce. Commerce et appartement. Ou alors avoir une bonne nouvelle liée à un appartement avec un commerce. Ça peut être aussi, si ça vous parle, je préfère tout partager, ça peut être lié à un fonds de commerce aussi, hein. Il y a peut-être une bonne nouvelle. On s'est peut-être séparé d'un commerce, d'un appartement, d'un fonds de commerce. Il y a une bonne nouvelle liée à tout ça et on va avoir du soutien. Mais cette personne, elle va réenchaîner sur un autre rêve. Elle veut réaliser un rêve totalement différent, peut-être dans un commerce. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle liée à un appartement qui arrive. En tout cas, le lien, il va renaître là. Après des disputes, la personne de votre cœur et vous, vous voulez faire renaître. Vous allez avoir un très très bel équilibre, hein, même si tout c'est. Alors. Je peux avoir double gel, hein. Un gel professionnel, un gel financier, ou alors un gel financier bancaire. Enfin, y a eu un double gel, hein. Un double gel. Double gel. Sur la situation, double gel. Double gel qui dit double gel dit double fois bah, de la réparation, hein. Double quint. Double bénédiction d'argent, hein. Équilibre parfait, renaissance. Un soutien lié à des. Cette personne peut rencontrer des problèmes dans un appartement. Ça peut être de l'hypocrisie.
J'ai une fin des problèmes et des hypocrisies, un retour à des habitudes saines. Je peux avoir un appel qui va arriver à la personne de votre cœur, qui va la mettre en patience. En patience peut-être liée à un appartement. Pour une réponse, ça peut être une réponse, oui, pour un appartement. Peut-être qu'avant on vivait dans un appartement où on avait un appartement avec un commerce. Peut-être qu'on s'en s'est séparé, il y a eu de gros soucis. Pro. Lié aussi à un appartement, il y a eu peut-être de l'hypocrisie. Peut-être qu'on s'est séparé de tout cela et là on patiente pour renaître dans un tout autre logement. Patience, ne vous stressez pas, il va y avoir un appel, vous allez faire la fête, vous allez avoir une renaissance pour moi peut-être dans un appartement. C'est possible, mais bon, si, ça peut être autre aussi. Hein. Et vous allez être extrêmement épanoui. Voilà, après tout ce qui s'est passé, vous allez faire la fête, vous allez vous détendre et vous allez faire la fête. Vous allez avoir une renaissance sur le lien avec un homme mature, 30 ans et plus. Donc pour moi, ça peut être la personne de votre cœur. Vous, avec tout l'équilibre financier, professionnel, votre abondance, je vois que vous allez faire un retour vers la personne de votre cœur, ou tout du moins si la personne de votre cœur fait un retour vers vous, bah après, avec toute votre abondance, votre richesse, bah vous allez faire un retour aussi avec cette personne parce que vous allez être hyper en équilibre. La personne de votre cœur aussi. Il peut donc y avoir l'ouverture d'un tout nouveau commerce. Il y aura une double bénédiction, une double réparation aussi sur la situation de la personne de votre cœur. Et une ouverture, une réouverture de commerce. Hein. Il y a une fin des hypocrisies, des soucis. Peut-être liés à un commerce qui est déjà là ou qui n'est pas là. Ou qui va renaître. Il n'y aura plus de soucis, ni de fatalité, ni d'hypocrisie. Tout va être mis à distance. Hein. En tout cas, vous allez faire la fête. Il va y avoir une très très belle réparation. Une double, hein. Ça peut être une double réparation aussi. Hein. Il peut y avoir eu un double aussi, un double blocage en effet miroir sur la situation de la personne de votre cœur. Hein. Un double blocage financier, bancaire, financier, bancaire, financier, bancaire, financier, bancaire, financier et pro. Là, surprotection, habitude saine. Vous allez renaître dans de la surprotection sur le lien, dans des habitudes saines. La personne de votre cœur est dans des habitudes saines et vous aussi. J'ai pas d'addiction, hein. Patience, c'est des choses qui sont en cours. Il y a une femme âgée dans les cieux qui est en pleine préparation de beaucoup de choses pour vous avant la fin de la semaine. Vous pouvez avoir un enfant, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. De 0 à 17 ans, vous allez avoir un triomphe avant la fin du mois. À partir là, vous allez être en plein triomphe ensemble et dans tous vos domaines de vie, en plein triomphe jusqu'au printemps. Et vous allez fonder pour moi une famille. Il pourrait même y avoir un enfant. Alors, ok, je partage mon écrit. Alors, je peux avoir de l'administratif. Il y a quelque chose dans de l'administratif pour un logement qui va se libérer. Il y a de l'administratif qui se libère ou alors un logement qui se libère ou les deux en même temps. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère.
Vous allez avoir quelque chose de très surprenant. Il y a une surprise qui arrive vers vous. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle administrative. Qu'en route. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est en route, une très très bonne nouvelle. Et ensuite, on vous recommande un rapprochement pour moi, un rapprochement de la personne de votre cœur. Donc ça peut être sentiment, mais c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. En tout cas, il y a une personne de cœur, mais ça peut même être dans votre famille, ça peut être voilà. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un de votre cœur. De ne pas hésiter. Une fois que vous avez cette bonne nouvelle, ou même si vous n'avez pas cette bonne nouvelle, d'accord? Administrative pour un logement qui va se libérer à vous. De ne pas hésiter, en fait, à un retour vers la personne de votre cœur. Donc vous seul savez qui est la personne de votre cœur. Pour que vous puissiez avoir un déblocage, un déblocage financier. Un retour l'un à côté de l'autre. Je vois sur ensemble, vous allez avoir une richesse double. Mais il faut vous effectuer un retour pour que la richesse puisse se déclencher sur votre situation. C'est pour ça qu'on vous recommande, même s'il y a des blocages de logement ou pas du tout, en fait, de ne pas hésiter. En fait, c'est voilà, c'est vous touchez et ça débloque. J'ai une richesse double. Je vois que vous allez être réparé. Vous allez être réparé au centuple. Il peut même y avoir une construction, ça peut être une maison, mais pas que. Enfin, là, je dis maison, mais c'est vraiment un titre indicatif. Ce sera c'est de vos rêves, hein. Il va y avoir un changement de vie aussi. Vous êtes extrêmement protégé. Donc ça va déclencher une double richesse. Et une double réparation pour moi. Tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui, c'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous les vidéos, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite. Pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!